Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui c'est un pack opening de 6000 cartes qui vous attend, c'est absolument exceptionnel. Alors comment j'ai obtenu ce coffre? J'ai tout simplement gagné le tournoi de Bootramp à 800 personnes, donc ça fait toujours plaisir et le coffre est juste énorme. Petite précision donc en début de vidéo pour vous dire que ce que vous allez voir ensuite est tout simplement extrait d'une vidéo que j'ai faite qui est dédiée au tournoi de Bootramp, donc avec des gameplays en plus de l'opening et qui sortira sûrement en fin de semaine prochaine ou en tout cas dans les semaines à venir. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit like et surtout bon visionnage. Donc le coffre, il est pas mal, vous allez voir. 30 000 à 42 000 gold dans ce coffre-là. Donc rien que ça, déjà, c'est énorme. On a 6 000 cartes. 6 000, les mecs. On a 200 épiques garanties dedans et 1200 rares. C'est juste énorme. 1200 rares, les mecs. Et 200 épiques, sachant qu'on va avoir des légendaires en masse. C'est absolument exceptionnel. En plus, on a le bonheur d'avoir un coffre premier. C'est quand même assez stylé. On va pas se mentir. Et je pense, les gars, qu'il est temps d'aller le gémer ensemble et d'aller voir un petit peu ce qu'il renferme. Attention, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! On a gémé le coffre, il est énormissime. 38 000 gold, 500. C'est absolument dingue. Déjà, regardez ce nombre, il sort de la case. 38 000 gold, 500. On a 39 cartes dans ce coffre-là. Le coffre est juste magnifique. Hein. Je pense que je vais prendre un petit screenshot. Histoire de mettre ça sur Twitter pour un petit peu teaser tout le monde. Et on est parti donc dans ce coffre absolument ouf. C'est parti. On commence avec 246 mortiers. Très bien. On continue avec 251 zaps. Ça va me permettre d'en donner pas mal au clan parce que c'est une carte très très demandée. On continue encore une fois avec 252 minions. Ok, on continue avec 253 archers. On a 250 de chaque commune en fait à peu près si j'ai bien compris. 256 gobelins qui viennent s'ajouter ici. 264 hors de minions, on va pouvoir la passer au niveau 11. 273 Spear Goblins, ok très bien, on continue avec les communes. 273 Fire Spirit, et on continue. 302 canons qui vont vers le niveau 12, doucement mais sûrement. 59 Valkyries, on passe au rare, ça y est. 59 Valkyries, on va avoir 60 de chaque rare j'imagine. Oh non, 6 freeze comme ça qui pointe le bout de son nez, c'est cool. J'aimerais bien up les dernières cartes que j'ai, enfin les dernières épiques que j'ai pas au niveau 5, ça serait cool aussi. On continue donc, 71 Bomb Tower, on a 1200 rares les mecs, hein, je vous rappelle, 1200. 530 barbares qui se dirigent cette fois très rapidement vers le niveau 12, ça c'est super. On continue, 77 Furnace qui arrive à la moitié du niveau. 543 chevaliers, 543 chevaliers, c'est absolument dingue. On est en train d'ouvrir l'équivalent de 10 super magical chests. Comme ça, en quelques minutes, dans une vidéo, récompense d'un tournoi, c'est absolument dingue. Et en plus, le coffre est magnifique. On continue donc, 551 Tesla. Waouh, énorme. On continue, ouais, ok, 7 Epic, 7 Dark Prince. C'est cool aussi, le Dark Prince, c'est une carte que j'aime bien jouer. On a en plus beaucoup, 81 Wizard. Pareil, on se dirige vers le niveau 9. On continue, 85 huttes de gobelins et on a fait même pas la moitié des cartes les mecs. On a même pas fait la moitié de l'opening encore. C'est absolument dingue. On a déjà eu beaucoup de communes. 602 Ice Spirit, 602 d'une même carte les mecs. 602 d'une même carte, c'est ouf. On continue, 88 mousquetaires, c'est super. Oh la witch. Vous savez, vous l'avez vu dans les gameplays de tournoi. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir les gameplays de tournoi que je mets sur ma chaîne. Mais la Witch, c'est une carte que j'aime particulièrement depuis son up. Elle est géniale et en avoir 8 de plus, bah ça fait super plaisir. Et on a 9 miroirs, donc ça c'est cool, même si on l'a déjà niveau 5. Encore, là ok, là ça y est, je sens qu'on a fini les rares, on a fini les communes. On est parti dans les épiques, on est archi chaud. 11 ballons, c'est génial. Ah non, on n'a pas fini les rares, 135 collecteurs. Comme ça au passage, voilà, je te les donne, c'est gratuit. 12 gardes, ça c'est cool les gardes. Parce que du coup on peut les passer au niveau 5. Ça y est, on a les gardes au niveau 5. 139 fireball, c'est énorme. On arrive dans les dernières cartes du deck. 139 huttes de barbares. Une épique et l'armée de squelettes qui vient à chaque fois casser l'ambiance, c'est absolument dingue dans chaque ouverture. On arrive à plus que 10 cartes les mecs et je vous rappelle qu'on va sûrement avoir des légendaires. Sûrement avoir des légendaires. Donc ça arrive très très bientôt, on va prendre notre temps quand même sur les légendaires. Là il y a beaucoup de cartes donc j'essaye de pas trop traîner mais on va quand même pas rester, non, voilà. Oh, ah oui,
J'allais dire, on va pas rester sur une armée de squelettes, finalement on arrive sur un X-Bow. Bon, on va pouvoir le passer au niveau 5, c'est très bien aussi. Voilà, Tombstone. Ouais, bon, Tombstone, c'est pas exceptionnel. Il nous reste 8 cartes, 14 sorts de rage. Eh, par contre, la fin du coffre, il y a intérêt d'avoir des bonnes légendaires quand même. Hein. 168 mini PK. Alors, ça fait plaisir. Le mini PK qui est super fort. Qu'on va pouvoir encore. Enfin, qui va avancer vers le niveau 9. Donc, ça, c'est vraiment cool. Il nous reste 6 cartes. On s'approche dangereusement des légendaires. Je vais pas vous teaser. En fait, j'allais dire dans le coffre que j'ai ouvert à 3600, qui est aussi sur ma chaîne. Mais non, je vais pas vous teaser. Je vais rien vous dire, on va essayer d'ouvrir. Peut-être, à tout moment, il peut y avoir une légendaire qui surgit. À tout moment. Attention. Une épique. Ok, on a encore 15 baby dragons et il nous reste 5 cartes. Est-ce que la prochaine carte va être une légendaire? Et si oui, laquelle? Telle est la question. Est-ce que vous êtes prêts? Attention. C'est parti. Non, toujours pas de légendaire. Plus que 4 cartes. Est-ce qu'on va avoir 4 légendaires ou est-ce qu'on a encore d'autres cartes? 16 poisons. En tout cas, le poison, ça fait plaisir. J'adore le poison. Largement niveau 5 d'ailleurs. Et maintenant, il nous reste 4 cartes, les gars. Donc, c'est chaud, c'est chaud. On va avoir des légendaires. On va voir combien on va en avoir. Mais c'est le moment. La hype. Et la première légendaire, la bûche. La bûche qui passe au niveau 2. Ça fait plaisir. C'était donc la dernière légendaire que j'avais au niveau 1. Elle passe au niveau 2. Bah écoutez, les gars, c'est nickel. J'adore cette carte. Enfin, j'adore. Je la trouve super marrante. J'ai hâte vraiment de faire des decks avec. Waouh, c'est génial. La bûche, donc nouvelle légendaire qu'on passe déjà au niveau 2. Et on a encore 3 cartes qui vont être du coup sûrement 3 légendaires. Donc les gars, 3 légendaires encore à ouvrir. C'est assez exceptionnel. Le coffre de dingue n'empêche, les gars, c'est absolument ouf. Le nombre de cartes qu'on a eu dans ce coffre là et le nombre de légendaires qu'on va avoir. Waouh, c'est énorme. Bon, ok, on reprend nos esprits. Elle est quand même belle cette bûche, mais on reprend nos esprits. Et maintenant il est temps d'ouvrir encore une fois une nouvelle légendaire. Attention, c'est parti. Ah d'accord, ah donc ça casse totalement la hype. Je pensais avoir une autre légendaire et il y a un PK qui se glisse au milieu. Mais c'est cool parce qu'on va pouvoir le up au niveau 5. N'empêche que ça m'a cassé l'ambiance. Mais on va pouvoir le up au niveau 5, du coup c'est cool. Et maintenant les gars, j'espère quand même avoir 2 légendaires. Ça serait quand même pas mal. Attention, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Non, toujours pas. Toujours pas. 49 lightning. J'ai même pas tilté. 49 épiques d'une... Waouh. Waouh. 49 d'une même épique. Je crois qu'on peut du coup la passer au niveau 6, non? Je sais pas. Non, peut-être pas. Si, je crois, je sais pas. Mais du coup, ouais. Eh les gars, quand même, on va pas rigoler. Non. La dernière carte, c'est une légendaire quand même. On est d'accord, on va pas seulement avoir une bûche. On a gagné un tournoi quand même. 800 places. Je veux dire, voilà. Les gars, une légendaire. Pour finir, attention. Et c'est. Waouh! Waouh! 3 bûcherons, 3 légendaires. Waouh! Waouh! Alors ça fait super plaisir. Peut-être que le bûcheron va être ma première légendaire au niveau 3. 3 bûcherons d'un coup, les mecs. Est-ce que vous avez déjà vu ça? 3 bûcherons, c'est absolument dingue. Encore une fois, je vais faire un screenshot parce que c'est juste un truc de dingue. 3 bûcherons d'un coup. Autant. Ça m'avait surpris aussi de ne pas avoir de. Enfin, 4 légendaires. En effet, on en a eu 4, mais elles n'étaient pas différentes, tout simplement. On a eu 3 bûcherons. En tout cas, c'était un coffre absolument énorme. Vraiment, ça fait plaisir quand même de faire des tournois. On gagne, après on a une récompense comme ça. Ça vaut 10 super magical chests, soit 300€ quand même. C'est un coffre de ouf. Voilà les gars, j'en ai tout pour cet opening de folie. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas le petit like, le partage, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. We'll be right back.